Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue, c'est la nouvelle édition sur votre chaîne Numidia News. La dépouille d'Hervé Gourdel, assassiné par un groupe terroriste à Tizi Ouzou fin septembre dernier, a été rapatriée ce matin en France. La cérémonie de rapatriement a eu lieu au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene à Alger. Elle a été marquée par la présence des cadres du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassadeur de France à Alger, lequel a salué les efforts déployés par les autorités algériennes pour retrouver le corps du ressortissant français. Le corps d'Hervé Gourdel a été retrouvé pour rappel enterré à Tabounecht Abi Youssef près d'Ifarhounen dans la daïra de Aïn el-Hammam. 4 décès ont été enregistrés au jour d'aujourd'hui sur 7 nouveaux cas d'admission de patients, dont 6 cas liés à la grippe saisonnière, indique aujourd'hui la direction de la santé et de la population de la Wilaya d'Alger. 3 des décès concernent des sujets porteurs de pathologies chroniques, alors que le 4e décès concerne une femme enceinte admise pour une pneumopathie sévère à un stade avancé. La vaccination contre la grippe saisonnière est toujours possible au niveau de ces structures jusqu'au mois de mars 2015, rappelle la direction de la santé et de la population d'Alger. Mercredi dernier, la DSP d'Alger avait annoncé que la grippe saisonnière avait provoqué le décès de 6 personnes entre le 3 et le 21 janvier 2015. Ces décès sont liés, selon la même source, à une grippe saisonnière sévère. Le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, a reçu ce matin le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould Khalifa, et le premier ministre, Abdelmalek Sellel, lesquels lui ont rendu une visite de courtoisie. L'entretien a eu lieu à la résidence d'État de Zeralda à Alger. Le président nigérien a entamé hier une visite d'État de 3 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation à l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Outre les relations bilatérales, les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment pour le règlement des crises du Nord, Mali et de la Libye, ainsi que la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier dans l'espace sahélo-saharien, seront au menu de cette visite. Championnat du monde de handball, éliminé de la course à une qualification au 8e de finale de la compétition, la sélection algérienne a encore perdu aujourd'hui face à l'Arabie Saoudite en match de classement dans la Coupe du président IHF aujourd'hui à la salle Douhail de Doha. Les hommes de Reda Zeghili ont perdu leurs 5 premiers matchs disputés dans le groupe C, respectivement contre l'Égypte, l'Islande, la Suède, la France et la République tchèque. Les discussions entre divers représentants libyens sous l'égide de la MISNU, la mission des Nations Unies pour la Libye, ont repris aujourd'hui à Genève, indique l'ONU. Ces discussions font suite à celles entamées en janvier à Genève et qui avaient débouché sur un accord le 16 janvier pour appeler à une cessation des combats. Les représentants militaires ne feront pas partie de ces discussions et seront conviés à d'autres négociations plus tard, précise l'ONU. Des représentants de l'opposition syrienne se réunissent aujourd'hui à Moscou avant d'être rejoints mercredi prochain par des émissaires du gouvernement syrien pour des pourparlers qui visent à renouer le dialogue après presque 4 ans de guerre civile. Les discussions se tiendront à huis clos dans une résidence du ministère russe des Affaires étrangères. La coalition estime que ces discussions devraient avoir lieu sous l'égide de l'ONU et en pays neutre, pas en Russie, soutien indéfectible de Damas. 20 personnes ont été tuées en Égypte dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre lors de la commémoration du 4e anniversaire de la révolte de 2011 hier, indique un nouveau bilan fourni par le ministère de la Santé. Au total, 150 personnes ont été arrêtées en marge des rassemblements. Un bilan précédent faisait état de 16 morts parmi les manifestants. Et justement à ce propos, Human Rights Watch dénonce l'usage excessif de la force par la police en Égypte contre des manifestations pacifiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu aujourd'hui une réunion spéciale consacrée au regain de violence dans l'est de l'Ukraine, selon des diplomates. Les 15 membres du Conseil n'avaient pas réussi samedi dernier à se mettre d'accord sur une déclaration pour dénoncer les attaques à la roquette sur la ville de Mariupol, qui ont tué une 30aine de civils.
Et enfin, les Grecs ont donné hier une victoire historique au parti de gauche radical Syriza lors des législatives. Le peuple grec a écrit l'histoire et laisse l'austérité derrière lui, a déclaré le dirigeant de Syriza. Il a également dit vouloir négocier avec les créanciers du pays une nouvelle solution viable qui bénéficie à tous. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal en bref présenté sur Numidia News. Merci de nous prêter attention. À très bientôt.